Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Monsieur Mars, quelques mots, monsieur Mars. Foutu journaliste. Ils font le siège de la maison depuis ce matin. Monsieur Mars. Monsieur Mars, est-ce que vous pouvez confirmer que votre fils a disparu? Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui l'a enlevé? Comment votre fils a-t-il disparu exactement? Monsieur Mars, quelques mots pour Haïtienne, s'il vous plaît. Êtes-vous inquiet pour la vie de votre fils? Est-ce que vous avez des soupçons, monsieur Mars? Vous savez si les enquêteurs ont déjà une piste? Votre fils, monsieur Mars, est-ce que vous pouvez confirmer que votre fils est disparu? Votre fils est encore vivant? Comment votre fils a-t-il disparu exactement? Monsieur Mars, quelques mots pour Haïtienne, s'il vous plaît. Êtes-vous inquiet pour la vie de votre fils? Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Trop de monde. Jason! Papa! Jason! Jason! Jason!
Jason! Rangée 18, casier numéro 3. Papa! Sean! Où tu es? J'ai très froid! Papa! Papa! Mmh.
Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue ? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous, tout ça ? Ça sert à établir le profil du tueur et à essayer de savoir qui on poursuit. Quelque chose qui aurait pu être utile à l'enquête si ça avait été fait plus tôt. Poursuivez, Jason. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir ? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroits à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone ? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un ? Ça ne nous donne peut-être pas l'adresse du tueur, mais c'est au moins un début de piste. Carter, si vous avez un meilleur plan, ça m'intéresse. Ne vous gênez pas. Je vous écoute. Quel est votre plan pour la suite ? Il y a deux suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Oh merde ! On est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là, quelque part. Il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Je commence à en avoir ras-le-bol de vos histoires, Carter. Ça fait 2 ans que vous courez après ce type. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, hein ? Rien ! Vous n'avez absolument rien ! Parce que vous croyez réellement que vous allez attraper ce tueur avec votre diplôme en psychologie et vos lunettes à la con ? Vous n'avez aucune expérience du terrain. Vous n'êtes qu'un putain de bureaucrate. Votre grande expérience du terrain n'a pas empêché le tueur de noyer 8 victimes sans être inquiété. Ce connard ! Ça suffit ! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps ? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appeler la police ? On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il divaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade.
C'est étouffant là-dedans. Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années. Bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedden du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation ? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Pourquoi tous ces crucifix ? Vous avez peur de quelque chose ? Le moment est proche où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Vous avez été arrêté pour une histoire de disparition d'enfants dans un parc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je suis innocent. Je n'ai rien à voir avec ces meurtres. J'étais là tout à fait par hasard. On m'a arrêté parce que... je suis l'élu de Dieu. C'est tout. Et les voix, Nathaniel ? Tu entends toujours des voix ? On sait qui te parle, hein, Nathaniel ? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te Carter, dit, Nathaniel ? Qu'est-ce que vous faites ? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Il t'ordonne d'aller chercher des nouvelles proies, hein, Nathaniel ? Il lui en faut toujours plus. Non. Non ! Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer. Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel ? Arrêtez ! Arrêtez ! Ça suffit ! Alors pour les faire taire, tu leur as obéi ? T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça ? Non ! Non ! Assez ! Assez ! C'est toi qui as buté les gosses, hein ? Tu vas le dire, espèce de salopard ! Tu es l'Antéchrist. Posez cette arme, Nathaniel. Je vais te renvoyer chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour nous détruire. Merde, Jedden, tirez ! Je l'ai tué. Ouais, bon débarras. Le type était taré. Venez, on n'a plus rien à faire ici.